Et salut les amis, c'est Jim Chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais vous expliquer là en fait sur le téléphone par ici là, il y a une ou deux taches noires. Alors je vais m'en excuser parce que c'est mon smartphone qui est pété. Voilà, il a pris une chute et comme par hasard, c'est l'objectif qu'a morflé. Donc voilà, ça va pas vous empêcher de regarder cette vidéo. Et voilà, je vais vous faire montrer, je vais faire une petite vidéo avec vous. Donc on va ouvrir la salle d'élevage. Voilà, voici mon petit coin d'élevage. Alors, il y a eu beaucoup de changements. Alors, on va commencer ici. Voilà, ici, cette bande ici. Alors, j'ai tout ouvert. Voilà, j'ai tout ouvert les grilles et les plaques. Parce que déjà, ça laisse passer le soleil pour toutes les cages. Et vu que là j'ai les petits jeunes qui sont en sevrage, ça fait 3-4 jours maintenant. Donc voilà. Alors vous pouvez voir les jeunes sont en train de manger. Alors là nous avons une petite agate opale jaune mosaïque. Voilà. Ici nous avons un noir opale jaune mosaïque. Ici nous avons un noir rouge mosaïque. En bas un noir opale. Là-bas un noir opale aussi. Ici, en bas de la cage, nous avons un agate mosaïque jaune. Voilà. Ici, c'est pareil. Devant, nous avons un agate mosaïque jaune. Devant, ici, agate opale jaune mosaïque. Derrière, agate mosaïque jaune. Voilà. Donc, tous mes jaunes sont ici. Voilà, vous pouvez voir. Ça leur fait une grande cage de vol. Voilà. Alors là, il y a 14 jeunes. Voilà, c'est les 14 de la première tournée. Voilà, 14 jeunes qui sont passés en sevrage. Voilà, vous voyez les tailles des agates mosaïques. Alors celui-là, il est vraiment joli. Voilà, je pense que c'est un mâle. Voilà, il a une belle taille. Vous voyez, hop. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai mis, bon, hier c'était un grand nettoyage, j'ai mis du millet par terre. Voilà, les bacs pâtés, graines. Et en litière, j'ai mis du sable parce que j'ai commandé du bedding wood, donc des copeaux de hêtre. J'ai commandé des copeaux de hêtre et il n'y en avait plus en stock. Donc j'attends ma commande. Voilà. La dame doit m'appeler quand j'ai reçu mon colis. Alors, là on a attaqué une deuxième tournée. Alors, ça c'est la bande qui est arrivée après cela. Alors ici c'est les premiers que j'ai mis en sevrage. Voilà, alors agate mosaïque jaune. Agate opale blanc et au milieu on peut apercevoir Hercule. Alors je vais vous faire montrer. Voilà. Alors, à savoir que j'ai donné un petit agate opale blanc, sinon j'en avais 4. Voilà, ça c'est les premiers qui sont arrivés. Je vais vous faire montrer les agates opales, les agates mosaïques. Voilà, agate mosaïque. Ici pareil, un agate mosaïque bagué. Alors là, les deux agates mosaïques sont baguées. Et puis il me reste plus que un agate opale blanc qui est bagué, c'est celui-là. Voilà, parce que les autres, les bagues ne passaient plus, donc j'ai été un peu embêté. Voilà, donc là ça se passe super bien. Voilà, alors ici, alors ça c'est pareil, c'est les petits de ce couple-là. Voilà, c'est les petits de ce couple-là, la femelle couve 5 œufs, les 5 sont fécondés. Voilà, les 5 sont fécondés, j'ai miré le 4, naissance prévue le 13. Voilà, alors donc je vais vous faire montrer la petite brochette aussi là. Alors, dans l'ensemble, il y a quand même de jolis oiseaux. Voilà, de beaux oiseaux. Voilà. Alors ici, c'est les petits des Isabelles. Alors la femelle Isabelle couvre 6 œufs. Voilà, 6 œufs, c'est prévu pour le 12. 6 œufs, 6 œufs fécondés. Donc, alors là... Par contre, dans le lot, il y en a une qui se détache du lot. Celle-là, elle est magnifique. Voilà, elle est vraiment jolie, celle-là. Voilà. Alors, les petits, vous voyez, ils ont pris une belle taille déjà. Alors, celle-là, elle est magnifique. Je vous promets, celle-là, je vais la garder dans mon élevage. Voilà, elle est magnifique. Alors, elle ou il, je sais pas. Alors, ici, vous voyez, celui-là, il est en train de manger. J'avais remis un peu le parent avec parce qu'ils ont une trentaine de jours. Et celui-là demandait encore la béquille, donc j'ai remis le parent, voilà. Celui-là aussi, il est magnifique, regardez, les plumes brillent, voilà, ça c'est bon signe. Voilà, les plumes brillent. Alors vous voyez, celui-là, il aime pas la ramasse, mais bon, c'est pas grave. Là-bas aussi, celui de... en haut à gauche, il est joli.
Alors lui, il a du beau jaune sur le cou. Voilà, ce sont des beaux oiseaux quand même dans l'ensemble, je suis content. Voilà, d'avoir sorti des oiseaux assez clairs. L'année dernière, j'ai sorti pas mal d'oiseaux foncés comme celui-là. Voilà, donc ici, ça, c'est les parents de eux. Alors là, la femelle, là, je vais mirer après, là. Voilà, je vais mirer 5 œufs. Voilà, l'autre jour, j'avais miré, il y en avait déjà 2 qui étaient pris. Alors, je vais remirer. Voilà. Là, ça a été pris, les Isabelles. Là, ça a été pris aussi, 5 sur 5, 6 sur 6. Là, il faut que je mire. Alors là, les petits de ce couple sont sortis du nid, sont maintenant à perche. Voilà, la femelle a recommencé un nid. Vous voyez, elle a recommencé un joli nid. Voilà, alors le huppé, c'est celui-là. Hein. Voilà, vous voyez la huppe. Voilà, on voit la huppe, c'est un huppé. Alors, il y en a eu 1 sur 3. Et bon, il y en a un dans le coin, mais ça, c'est normal, c'est typique, hein, ils sortent du nid. Et là, il y en a un balèze. Voilà, là, il y en a un gros. Donc, les 3 jeunes se portent bien aussi. On va passer ici. Alors là, le petit panaché. Eh bien, écoutez... Voilà, ses plumes sont tranquilles. Vous voyez sur le côté, il y avait des plumes un peu tordues, mais c'est la femelle qui le piquait. Donc maintenant, bah écoute, elle ne le pique plus vu que j'ai mis la grille de séparation. Voilà, et qu'on peut lever comme ça, en fait. On peut lever, voilà. La femelle a recommencé un nid aussi, voilà. La femelle a recommencé un nid. Voilà, alors le contre-jour, il est un peu chiant, mais voilà. Voilà, un bon petit couple, j'espère que cette fois-ci il y aura un peu plus d'œufs fécondés. Voilà, parce que bon, pour un petit, mais écoutez, alors, la femelle est en train de demander à manger par le mâle. Alors après, agate pâle jaune mosaïque, je vais mirer le 10 mai. Il y a 4 œufs. La première fois, il y a eu 3 œufs, et là, il y a 4 œufs. La femelle couve. Hein. Voilà, la femelle s'est mise à couver. Alors là, il me reste du copeau d'être, parce que j'avais pas assez de sable pour finir. Pareil pour ici. Voilà, chez mes agates opales blancs. Ah si, chez les agates opales blancs, je les ai fait, c'est les noirs rouges mosaïques. Alors là, c'est pareil, très très bon couple. Première nichée 6 dans les 2 agates mosaïques de l'autre couple, plus leurs 4 petits. Et là, les petits ont bien grandi. Voilà, ils ont 7 jours, on peut apercevoir déjà les 4 petits en plumes. Voilà, ils ont commencé à mettre les plumes. Hop, voilà. Alors par contre, j'ai fait la méthode des œufs factices, mais il y en a quand même un qui est plus petit que les autres. Donc voilà, ça c'est quand les petits lèvent la tête pour demander à manger. Si l'autre est un peu plus vaillant, ben voilà, les autres profitent moins. Alors, noir, rouge, mosaïque, 5 œufs sur 5 fécondés. Bon là, ça a fait comme la dernière fois, il y a eu 5 œufs, il y en a eu 3 qui sont arrivés à terme, dont 2 qui sont arrêtés. Alors j'espère que cette fois-ci, ça va... Ben écoutez, même 3, ça, voilà, 3 c'est déjà bien. Mais bon, il y a quand même 5 de fécondés. Hein. Voilà, les naissances sont prévues pour le 13 mai. Voilà, 13 mai. Alors, chez les noirs opales jaunes mosaïques, la femelle couve 5 œufs que je mirerai le 10. Voilà. Le 10. Et là, le 6 mai, j'ai miré. Il y en avait déjà 4 de prix. Donc, j'ai pas remiré. Mais bon, voilà, je laisse faire. De toute façon, il y en a déjà 4 de prix. C'est déjà pas mal. Alors, maintenant, ici, les parents de Hercule. Alors, il y avait 5 œufs, 5 œufs fécondés, 5 œufs, 5 œufs fécondés et 4 petits qui sont arrivés. Voilà, ils ont maintenant, ils sont nés le premier, ils ont 6 jours. Il y en avait 5, j'en ai retrouvé un sur le bord du Nil là-bas. Bon, bah, écoutez, voilà, il y a 2 foncés et 2 clairs, un beau petit ratio. Voilà, on va les laisser arriver, ces petits loulous, on va bien voir ce que ça donne. Alors, vous voyez, là, je nourris plus, et puis vous voyez, le jabot, il est plein. Hein. Voilà, il est plein à craquer. Voilà. Là, ça se passe bien. Alors, chez Black and White, là, je ne vais pas tarder à les séparer. Voilà, le blanc est magnifique. Hein. Voilà, le blanc il est magnifique là. Aucune tache, rien du tout. Et là, le petit noir rouge mosaïque, c'est pareil. Il commence à manger là, je ne vais pas tarder à les sortir. La femelle avait fait 5 œufs, elle m'a répondu 1 œuf par terre, il reste 4. Je vais mirer le 10 mai aussi. Voilà. Donc, dans l'ensemble, là, je vais avoir quand même pas mal de femelles qui vont arriver ensemble. Voilà, voilà, alors vous pouvez voir là, ma troupée de jeunes, voilà, alors là je me régale, alors je vais vous faire montrer comme ça, j'espère que ça va vous plaire, vous voyez, voilà, alors les petits se régalent, hein. Il y a du sable, il y a du millet, il y a de la pâtée dans toutes les cages, des graines, voilà, vous voyez,
voyez, hop, il y en a un autre qui arrive. Voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt bien, ouais. Alors, le deuxième tour, et comme je vous l'ai dit, était bien enclenché. Alors là, il y en a combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, c'est 4 là-bas. 14. 14, là, il y en a 3, 4, 5, 6. Là, il y en a 4. Là, il y en a 3. Bon, j'en ai perdu un, vous le savez maintenant. Et là, il y en a 3 aussi. 3 aussi là. 1 ici. Enfin, je vous laisse faire le calcul. Donc, 4 qui sont arrivés ici. 4 là-bas. Voilà. Alors là, il me tarde vraiment de recevoir mon substrat. Voilà, mon substrat. Franchement, les copeaux de hêtre, c'est nickel. Alors, quand j'aurai l'occasion, je vais essayer des copeaux de hêtre numéro 8. Parce que j'ai lu sur certains forums que le numéro 8 était pas mal aussi. Voilà. Ils volent un peu moins que le numéro 6. Parce que moi, j'ai des bacs qui sont pas épais, en fait. Voilà, si j'aurais des bacs de cette dimension, le numéro 6, ça serait nickel. Ah ben, numéro 6, quand je numéro 6, enfin bref. Voilà, le tiroir, moi, il fait 3-4 cm et malgré que je mets 1 cm, vous voyez, ça saute quand même au bord. Que là, avec le sable, vous voyez, même si le sable tombe par terre, ça fait moins dégueulasse. Et puis, voilà. De toute façon, moi, je balie au moins 2 ou 3 fois par jour. Là, vous voyez, les jeunes sont en train de manger. Là, c'est pareil. Vous voyez, hop. Alors là, devant, nous avons un petit noir opale. Agate mosaïque derrière, voilà. Ils ont bien profité, les agates mosaïques, hein. Un petit noir opale aussi là, un noir rouge mosaïque, agate opale jaune mosaïque, voilà. Alors dans les noirs opale jaune mosaïque, je suis content parce qu'il y a un ou deux beaux oiseaux là, voilà, qui se séparent du lot. Donc je pense que c'est celui-ci, non c'est celui-là là, voilà celui-là là, il est magnifique, voilà il est bien noir. Écoutez, on va les laisser grandir ces petits loulous, puis on verra ce que ça donne. Voilà, donc c'était un petit suivi d'élevage. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je passe un grand coucou à tous les amis WhatsApp, à tous les abonnés et à tous les nouveaux abonnés. Voilà. Et si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres sujets, écoutez, dites-moi le dans les commentaires. Et si je peux le faire, je le ferai avec un grand plaisir. Voilà. Donc, parce que pour l'instant, voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, mis à part, voilà, quand j'ai des trucs qui me reviennent, voilà. Donc, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jim Chasse. Portez-vous bien et prenez soin de vos oiseaux. Ciao, ciao.